Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Vraie question, comment allez-vous? Et aujourd'hui, bien évidemment, on se retrouve pour quelque chose que j'avais annoncé que je ferais. J'essaie de bien mettre la cam. On est bon. Quelque chose que j'avais dit que je ferais pendant mes vacances, c'est-à-dire l'acte 4 et peut-être 5 de Genshin. Et aujourd'hui, on va faire l'acte 4 dans un premier temps. Et s'il y a un jour où je sais que je suis full dispo et que je suis chaud de faire, eh bien nous allons faire l'acte 5. Mais c'est bien évidemment pas le cas aujourd'hui. Et parmi les autres trucs que j'avais prévu de faire, il y avait un stream figurine, la tier list des jours et des mois, et le top opening 2023. Alors là, comme ça, en vrai, quand je regarde, le top opening, c'est quasi sûr que je le ferai pas pendant ces vacances-là. Ou sinon, je le ferai lundi. Et la tier list des jours et des mois, je pense que ça c'est vraiment en fin de soirée, on va dire. Parce qu'un petit peu la flemme. Pour aujourd'hui le programme, là on se fait l'acte 4. Évidemment, je fais les quêtes quotidiennes au passage. Et la question que je me pose c'est est-ce que ça... Ouais, il reste 10 jours. Bah ça je me le ferai la semaine prochaine je pense. Enfin, le week-end prochain. Mais ouais, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je fais après ce stream-là? Parce que là, je pense qu'on en aura pour à peu près 3 heures. Donc jusqu'à 18h. Est-ce qu'à partir de 18h, je fais autre chose? Je sais pas. Mais dans tous les cas, après ce soir, je pense que je jouerai à Mario RPG. Mais vu que Mario RPG, évidemment, ça dépendra de l'heure à laquelle je lance. Peut-être que je ferai d'autres choses, je ne sais pas. J'ai vraiment rien de prévu pour aujourd'hui, donc on verra bien. Du coup, comme d'habitude, moi je vais faire mes quêtes quotidiennes. Je vais juste regarder ici, on est comment. Ouais, j'ai bien les 4. Du coup, ce que je vais faire, c'est d'abord me débarrasser des quêtes quotidiennes. Après, je vais utiliser ma résine dans le donjon que j'ai pointé, mais qui a disparu, bien évidemment. Pour avoir des bons artefacts liés à Fontaine. Et après, on va lancer ça. Bon, je pense que j'en aurai pour à peu près 20 minutes. Le fait de streamer, forcément, ça rallonge les temps de chargement. Mais ouais, souvent, j'ai besoin de 15-20 minutes pour ça. Donc voilà, on verra bien. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour eux. Et ouais, c'est ce que je cherchais. Alors, tac. Mais du coup, ouais, ça y est, hein, maintenant, pour moi, dans ma tête, c'est officiel. Hein. Les quêtes que je fais sont bien celles de Fontaine. Je m'y suis habitué. Le seul truc, c'est que c'est vraiment presque tout le temps les mêmes. Mais en vrai, c'est pas trop grave. L'avantage, surtout, en vrai, je me dis, c'est que ça me donne des objets pour augmenter mes persos de Fontaine. Et ça, en vrai, c'est cool. Parce que c'était le cas à Inazuma. Ça me permettait d'avoir beaucoup d'objets pour les persos d'Inazuma et c'était plutôt pratique. Mais là bah du coup vu que l'objectif ça va être de monter les persos de Fontaine, bah c'est plutôt cool finalement de faire les quêtes quotidiennes là. Même s'il y a certains trucs un petit peu gênants, notamment je pense à Furina. D'ailleurs hein, je fais exprès de laisser ce point d'exclamation, hein, c'est juste pour pouvoir la retrouver très facilement. Mais par exemple, Furina et Neuvillette, ils ont besoin de drop. Bon, lui, pour le coup, ça va, mais il faut juste aller les chercher. Mais pour Furina, c'est chiant parce qu'il me faut ça, du nectar miroiton, qu'on trouve avec les fleurs mensongères. Et ça, bah, c'est un mob qui est pas Inazuma. Du coup, ouais, c'est assez relou. Si je veux le farmer, il faut vraiment que je le fasse par moi-même. Je sais plus qui en avait besoin, je crois que c'était Ganyu. Et du coup, ouais, c'est assez embêtant. En vrai, on va en profiter. Ah, c'est un one shot? Je pensais pas. Ouais, ça c'est le problème avec... avec les mobs marins comme ça, c'est qu'ils nous droppent pas forcément tout le temps leurs objets. Et c'est vrai que c'est assez concret. Et du coup, je crois que la dernière quête, elle est là. Bon, après, au niveau des persos de Fontaine, je m'en fous un peu. Donc
je vais pas m'amuser à aller farmer leur truc. Et là par exemple tu vois ça, ces mobs là faut, je crois qu'il faut que je les batte tous les jours. Genre sans déconner. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est un mob. Tous les jours, je dois les affronter. Bon. Et ben voilà, ça m'aura pris 3 minutes à faire les quêtes quotidiennes, vu que j'ai lancé à 2 minutes de mon record. Et maintenant, on va plus qu'à faire ça. Hop. Et je trouve une team qui passe bien pour ce donjon, c'est celle-là. Je trouve qu'elle passe vraiment bien. Ma team avec Neuvillette ou Raiden. Et Furina, il y a juste Jean que je pourrais retirer pour mettre Zhongli. Mais bon, c'est pas très grave. Mais juste ouais, ça fait des bons petits dégâts. Donc c'est plutôt cool. Et en plus j'ai pas le problème que j'ai avec mon autre équipe à cause de Barbara, c'est-à-dire de me faire geler toutes les deux secondes. Mais en vrai ça va, ça se fait assez efficacement. Eh, les petits minions quand même ils font des bons dégâts hein. Mais en fait je pense que si je préfère jouer cette équipe dans ce donjon là, c'est vraiment parce que je me fais tout le temps geler. Et ça c'est vraiment frustrant. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a rien du tout pour changer, est-ce que c'est rare? D'ailleurs j'ai l'impression que je vais tomber malade, je sais pas pourquoi. Bon évidemment après un énorme problème de Neuvillette c'est qu'il se fait stopper trop facilement. Ça c'est vraiment un défaut de ce perso là. C'est cette attaque là, elle se fait annuler tout le temps quoi. Ah merde. Ouais, j'ai l'impression que les attaques hautes ne peuvent pas l'annuler par contre. Parce que là je me suis fait taper et pourtant. Après je sais que je les joue mal, Neuvillette et Furina. Enfin Neuvillette je pense que je... Tiens, y a rien de plus à faire, mais c'est juste Furina, ouais, son kit, Enfin, je comprends pas trop sa façon d'être jouée. Et je pense pour être efficace, là, je vais juste faire une dernière fois ce donjon. Comme ça, je serai pour demain à 5 résines condensées. Ouais, ça, par contre, tu vois, c'est génial, hein. Ouais, tank bien elle. Ok, parfait. Tac. Ouais, comme ça, bah ça m'aura pris peu de temps, donc même pas 8 minutes en vrai. Hein. Là je pourrais relancer le donjon. Mais du coup ouais ça m'aura pris 7 minutes. Oh. Oh il est beau lui. Un taux crit avec de l'attaque, de la maîtrise, de la défense, bon on s'en fout, de la recharge. Il est bien celui-là. Même lui il est pas dégueu. Taux, maîtrise pour des Endro. Non c'est bien. Mais le taux crit là il est pas mal. Du coup... Bon, moi évidemment comme d'habitude je vais là pour récupérer mes quêtes. Je vais re-switch sur ma team avec Yelan. Et je me demande mais normalement non, les abysses je les ai déjà fait. Je l'ai fait au week-end dernier. Hop, donc déjà la résine condensée. Ils sont gentils d'avoir mis la résine condensée en première position quand même.
En même temps, c'est très souvent quand tu vas ici, c'est pour ça. Donc c'est plutôt bien. Paf. Merde. Haha, c'est rigolo de se moquer ça. Avec les récompenses de merde. Elle n'empêche les expéditions. Paf. Paf. Qu'est-ce que c'est bien ça. Mais à chaque fois, c'est pas naturel. Faut vraiment que je réfléchisse avant de le faire. Alors qu'est-ce qu'on a ici. On a... Bon, on s'en fout. Ici, c'est le truc quotidien. Hop. Paf, 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 paf. Est-ce que j'ai des trucs là. Non, j'ai rien. C'est vrai que j'ai les requêtes et les primes. Je sais pas si je les ai débloquées à Fontaine, mais je crois pas. Bon, en vrai, je fais un petit tour aux toilettes et après on va lancer directement la suite de l'acte 4. Hop, qui est ici. Allez, à tout de suite. Bon, eh ben on est parti. Alors la dernière fois, me semble-t-il que on a vu trois persos qui étaient avec Tartaglia et qui lui ont permis de fuir. Et du coup, bah là on enquête librement, mais je crois qu'à la toute fin du dernier acte, c'était ça. On a rencontré ouais, les persos.
en question. Et après on nous demande d'enquêter, alors je sais pas du tout pourquoi, donc on va découvrir ça. Bon évidemment comme d'habitude, je lis les dialogues dans ma tête, je lis pas à l'oral. Donc voilà, mais je laisse le temps de lire, et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre pause afin de lire si vous avez envie, bien évidemment, de lire. ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか？なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後。ナビレット。Tu vas revenir ici, j'ai l'impression.正直なところ、少しばかり敬服しててね。Ah, mais non, il parle pas de Neuvillette, il parle de Rayo Tessier, du coup. 誰かが作った言葉みたいだが、聞き覚えはないな。聞いたんだけど、どれも噂。他にはもう思い当たるものはないな。Bon, d'accord. Ah ouais, donc enquêter librement, c'est vraiment juste parler aux PNJ qui sont à cet étage en vrai. Bon, le plus proche, c'est lui. Oh, on va parler au cuistot.俺に言わせりゃ、上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。待て待て、私は野良犬。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったら。おいおい、突拍子もないことを言うな。それにいいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。水の上の世界とはおさらば。その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそも。こいつら、そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよ。それもそうだな。Bon bah c'est juste ils sont pas contents quoi. Rien de plus à dire pour eux.En vrai, la musique de la prison, elle est bien. Je pense que c'est vraiment une bonne musique de fond, en vrai. Bon, évidemment. Moi, je réfléchis maintenant par rapport au Unlock parce que j'ai utilisé la musique de Fontaine dans la vidéo. おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別にな。クスト、聞いたか。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるの？おい、あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ちょっとしたミスか。気に入ったよ、その言い方。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。
情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組ん、まあ待て、これはどれも金になる情。クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って、サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。おお、そうか。実を言うと、おお、ってことはあのめちゃん。その通り、うん、ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも、そして最も怒らせてはいけない人物が公爵ディオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。公爵に認められた奴は医務室に行く時も優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たか。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どう、あいつが女を殴るなんて。いや、でもあのルールビもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。なあ、思ったんだ。まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。まあ、あの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし。Quelque chose me dit que c'est eux qui nous ont donné les informations que nous souhaitions. Alors, je sais même pas en quoi ça va nous aider. Comment on va en bas ? Ouais, je crois qu'on est obligé d'y aller par l'ascenseur. Putain, les petits traits là, ils m'aident pas trop, hein. Ouais, tu vois, là, pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? L'algorithme du plus court chemin, là. Je sais pas, j'ai l'impression que ça veut suivre certaines lignes. Et du coup, tu perds le chemin à des moments. Je vois pas du tout en quoi ça va nous aider dans la quête. Mais après tu vas me dire, mais tu te souviens même pas de la quête ? C'est bien vrai. J'ai... même pas ce qu'on fout là. Je crois que c'est... ah si, c'est pour Tarta. Enfin, dans tous les cas, on est là pour Tarta, mais vu qu'il est plus là... Bah, en principe, on est juste bloqué ici. Mais... je sais pas, on verra. J'avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre avec... avec cette... on va dire cette histoire à Fontaine. Chercher l'inné. Ah ! Putain, l'époque où je jouais Kazuha. Ah. Ouais, bah là, comme ça, moi je vois que grimper le pilier. Je sais pas du tout comment je suis censé aller au-dessus. D'une autre façon. Ah. C'est une fabrique de robots ici, j'avais oublié ça. On a dû nous le dire, mais juste. Je m'en rappelle pas. D'ailleurs, là, je suis en train de me rendre compte. J'ai regardé, juste avant de lancer le stream, l'épisode de Shangri-La Frontière de la semaine dernière. Et là, comme ça, j'ai l'impression que la doubleuse de Yelan japonaise, c'est la même que celle d'Arthur Pensilgon. Je suis pas sûr, mais je crois. Ah ouais, mais d'accord, Lina, il est là. Ah oui, donc non, en fait, j'y avais vraiment pas accès comme ça. Il fallait vraiment que je grimpe, quoi. Ouah, la transition. Ça,
メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。さすがは執行官、想像以上に。けどこれだけじゃお父様に報告するのには不十分。お父様から聞いたんだ、皇子様は休暇中ではあるけど自分の計画を持ってるって。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。話がそこまで進んでるのなら。うん、彼は今日仕事で忙しいんだ。それにどういたしまして。協力すると言った以上。J'avais oublié que Frémina il était là. それにしてもあのリオセスリのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せた。オイラたち引き込み、まずフレミネに同じ道をたどってもらって、その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実旅人、9日後にまたここで会おう。でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、近域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで近域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動。なんだ、難しいことなのか。簡単とは言えないけど、いい、君には何かしらの理由を見つけて医務室に忍び、怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。でもあまり無茶はしないように、安全第一でね。ごめん、いつもの癖でつい。別に悪いことじゃん。それじゃあ次の行動に移る。うん、ここで一旦別れよう。Donc finalement ça servait à quelque chose. J'étais en train de me dire, je pense que dans toutes les, dans tous les actes qu'on a fait dans, dans Genshin, celui de Fontaine c'est de très loin le plus long. それじゃよく聞こえないな。やっぱり大丈夫か。 Attends, ils nous ont foutu comment sur le sol? Parce qu'on est au niveau du sol, mais je sais pas. Ça se trouve, on est juste enfoncé dans le sol avec notre modèle 3D, je sais pas. Non, j'ai vraiment une position bizarre. Ah non, je suis juste assis.
Tu vois, c'est ce genre de moment, pourquoi notre perso est pas doublé.気分はどうですか？こんにちは。気分はどうですか？シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。でも見た感じ、確かにそうだ。確かにそう。それはあくまで表面上の話です。メロピデよ、罪を犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに審査。分かった分かった。君の言う通りだよ。ただ、それをわざわざ患者さんの前で言う？そうですね。お前らも体調が悪い？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長、医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になっ。もっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動悸をよく起こす。でも、はっ、釈放されるだって？そんなのまだ先の話だ。それ、こんなくだらない話はここまでにしましょう。それから、それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。あいつ、たるそうに出て行ったの。彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー。お前、あいつ当然です。ああいう思い上がっていて、毎日変な研究の言葉。私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻って。いえ、大した。ただいま。君たちちゃんと休んでた？シグウィンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら。ベッドから降りて走り回ったりしてない？さ、2日分の状況。そうだ、ルールビさん、さっきは急いで離れちゃったけど。ええ、覚えてますよ。さあ、分かった。はい、これが君の分なのよ。はい、では失礼します。旅人も。うん、またな。旅人よね。カルテを書くから、いろいろ確認させてちょうだい。あ、さっきの二人がうるさかったから、もう少しこいつを癒す。ねえ、分かった。症状は腹痛で。そう、薬を飲む以外に他にして。彼女はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして。任せろ。おい、あれ、寝るのか。おいらたち、いろんなところを旅してきたんだ。そうなのね。じゃあ、きま…お、起きたのね。気分はどうだ？お前、ずいぶんぐっすり寝てた。そう、安心して、もう帰っても大丈夫。うん、ありがとな、看護師長。Oh là là, elle a trop parlé, moi je dis pas, ils m'ont... On est passé par là tout à l'heure? Je m'en souviens pas. Non, on a été TP, je crois. Nyon. Assez pratique, hein, le dortoir il est pas loin quand même.
Hop là. Omae, yo ko ano jōkyō de nemureru yo na. Sore wa nakatta kedo. Omae zutto, omae ga neteru aida, oira zutto ano kangoshichō to hanashite tan da kedo. Sugoi sunawa na ya. Alors, son déguisement à Lynette. Déguisement, bien sûr. Oh, ah, j'allais dire, ils auraient pu nous TP sur Lynette, mais au final... Ah, mais en fait, j'y avais accès facilement, oui. Oh là là. ここ数日、トラブルには合わなかった。オイラたち、スケジュール通りに労働と生活。うん。ならよかった。君たちからのメッセージは読んだよ。フレミネも、2日前に無事パイプを通って外に出た。あいつも医務室に？前回君たちに下見をしてもらったのは、すでに追加分の仕事だったからね。人目がある拠点への潜入は、一度きりの調査とは違う。同じ人を可能な限り使う。リネットも僕たちのために君が最初の一歩を踏み出す。リネット、うまくいくといい。さて、フレミネが戻ってくる前に一緒にリ、この時間に行ってた。僕が観察したところ、看護師長のシグウィンは昼食前の約30分医務室から離れる。それに僕はリネットのお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが妹の。よし、そう。ふん。Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ouais, du coup. Si j'ai fini ma phrase. Mais ouais, dans le temps. L'histoire de Fontaine, là, c'est clairement le plus long, quoi. Parce que là, on passe 9 jours. Et là, ouais, ça doit faire au moins 20 jours déjà qu'on est dans cette prison, je crois. だけかもしれないだ。ああ、本がいくつかあるな。それディープケア、患者を喜ぶ。なんか面白そうな本だな。看護師、他人の意図や気持ちを理解するのに役立つ本もあるけど、これってあいつがメリュ看護の仕事をする上でそういったのも必要。え、vraiment par contre je me dis mais Siggy Winnie là c'est vraiment tellement une random. Ça pourrait être... Parce que franchement vu sa gueule, ça sera probablement un 5 étoiles mais je trouve elle a tellement pas la tête. Enfin c'est une Mélusine tu vois, ça aurait pu être une Mélusine comme une autre. カモフラージュが下手ってわけじゃないけど、仕切り板の裏側は空洞になってる。このサイズからして分解しないと入れないもの。まさかリネットはここに入ったとか。他に手がかりがないか見てみよう。落ち着いて。ま、おい、見ろ、
紙切れ。文字が書いてあるな。あれ、あんたらの習慣にのっとり、ここはカードや紙切れで情報。これは、あれ、でもこれ裏、あ、これ見せて。急に顔色が。さあ、ファデュイのメンバーであるリネ、まさかリオセスリのやつ、まさかわざと医務室に誘い込ん。でもそうなると、あいつは最初からオイラたちの目的を知ってたってことになるよな。でも、おい、そう、そこが問題だ。リオセスリは、あいつは旅人、君と僕たちの立場は違う。君はヌビレットさんの使者であって、彼とは対立関係。それは僕も聞きたいね。落ち着け、考えるんだ。そうか、フレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのも、リオセスリがわざと見逃したから。でもフレミネがここを離れて、あいつ挑戦状を叩きつけてるんだ。クソ、フレミネを外に出すべきじゃなかった。パイプから送り出すとき、ちょっとした細工で。もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたのなら。リネが少しパニックになってる。自分を責めるなよ、リネ。オイラたちがタルタリアのことは言わなかった。いや、今回の行動の責任者は僕だ。リオセスリに会いに。やけになるなって。おい、おリネットがまた誰かにさらわれるなんて。僕、行かないと。あらららら、ええ、私はこの点について変える。ダメっていうわけじゃないが。そう、わかった。誰かいる。物を隠して。外で誰かが盗み聞きしてるみたいね。部屋から。え、おい、大丈夫か。あの二人ね。やっぱり彼女たちの。本当によかった。うちお利口な人は好きよ。まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず。人の人は。ハララ、ラコナス、モンジェ。Oh là là, mais comment il fait pour être si rapide ? Oh là là, si et oui, mais je n'aime plus. Je ne l'ai jamais aimé, j'aime pas les persos enfantins. Dio Cecily ! Yare, yare.ここは一応公務を執り行う場なんだ。リネットはどうした。ああ、彼女なら医務室で会ったぞ。演説がするって言うからお茶を振る舞って。ふざけるな。リネットとフレミネをどこにやった。聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろう。リネットちゃん、今振り返ったら彼女がそ振り返らせようとしてる。僕を襲うつもりはないはず。人質は彼の手の中にあるし。君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ。旅人があそこに疑いの目を。フレミネの脱獄、いや、孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方。そんなことをする必要はない。メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人はここでの暮らしを楽しんでる。何、君はスパイを排除した上で孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることに。一つ訂正させてもらおう。リネットちゃんはいない。じゃあ目的。リネ、おっと、ちょうどいいところに人も揃ったし。熱心なことだ旅人。
残念だが、俺のところにいるのはお茶を飲んでるリネ。あんたらの約束ではフレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろう。けど今にな、君、まずフレミネが海から戻れないよう中と外をつなげるメロピデ要塞のと。でもフレミネはダイビングが得意なんだ。いや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはず。俺がなぜこんなことをしたと思う？それはあんたと話をするためだ。俺の知、それにあんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。仕事においてもプライベートにおいてもメロ。僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわ。ルカがたまたま耳にしただけさ。さ、あんたらとのお遊びは結構楽しめた。だから目をつむってやろうと。リネ君、あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、そこでだ。二人の安全と引き換えにリネ君に一つだけ頼み。お父様に。かわいい我が子たちがこっちの手にあるからさ。三者、あんたらハウスオブハースの人間は数。お父様はなんで僕たちにメロピデ要塞のことを処理させてると思う？なるほど、ここがお気に召さないというわけか。いい茶葉をたくさん集めてるんだがな。君たちだけでお父様を傷つけられるとでも。あんたら本当に頭が硬いんだな。ただお父様と会って話がしたいだ。リネ君、もう一度チャンスをやろう。召し。リネ。そうまでして。だって。は当たり前のことだと。スパイを排除したのは警告のためだったが、それでもあんたらは引かなかった。だからこうして。リネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたし、フレミネ君の脱獄。僕は。僕。6。待て。2。タイムオーバー。ザ。待て。交渉決裂だ。お引き取りね。そうだ。オイラたちと話すのはど。あんたら、何のトラブルもなく過ごせてきたのは、ヌビレットさんのおかげだって分かってるだろ。だが、それは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない。狭いところには。ふん、確かに実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだな。3つの質問に。では第1問、生産エリアの隠しルールについて。オーラ、オーシット、Oh no, se souvenir des indices. Mais je sais pas. À propos des règles secrètes de la zone de production, quelle est la vérité derrière le fait de ne pas être autorisé à travailler pendant 3 jours de suite ? Bon, on a de la viande. Ah, aucun rapport ça?いつも生産エリアの近くで労働者を観察してる。Ça peut être intéressant ça。フォンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。研究ノートにはこう書いてあった。メルジーヌという種族は世界の感じ方が人間と。クリンズの話によれば。Ouais, en vrai, je vois bien celui-là.、Hein. Ah merde, attends. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des questions. Qui le verra si vous n'arrêtez pas de travailler en continu ? Bah ouais, en vrai. Pourquoi la viande étrange apparaît-elle ainsi ? Parce que c'est une mélusine qui fait la cuisine.Et vu qu'elle a pas le même sens que nous, perçoivent le monde très différemment. Ça peut être ça, hein.
Ah, où ça? Où ça, le produit qu'ils mettent dans la bouffe? Pour moi, ces deux-là sont possibles. Ouais, ça non. Ça, je vois pas pourquoi. Ouais, je vois. Ouais, on peut tester le nouveau produit. En quelles circonstances la viande étrange apparaît-elle? Comment ça, dans quelles circonstances? Ah, peut-être le midi. Ici. Parce qu'elle fait la bouffe. Ouais, je pense que ça, faudra que je l'utilise. Ouais, c'est ça. Ah là là, je l'avais. Je l'avais, mais les deux étaient possibles pour celui que j'ai raté.鉄拳闘技場の隠しルールについてだ。両方の選手の投票権を同時に買って。Alors, que se passe-t-il si on enfreint? Ah. La règle secrète, on reçoit le truc de sang. Qui a envoyé le paquet contenant l'étrange fluide de couleur sang? Ça non, on l'a déjà utilisé. Ça on l'a déjà utilisé je crois aussi. Ça on l'a déjà utilisé. Ça faudra l'utiliser c'est sûr. Bah ça doit être ça. Quoique. Ah bah ça doit être ça. Ça doit être ça le truc de test qui a envoyé le paquet. Les rapports internes de Fontacorp sur le Kikuma. Bah soit c'est ça, soit c'est ça. Bon dans tous les cas c'est lié à Fontacorp quoi. Pourquoi seuls ceux qui achètent des billets pour soutenir les deux reçoivent-ils le paquet? Alors là. Ah. Parce que c'est les idiots qui le reçoivent. Et pourquoi l'étrange fluide ressemble à ça? Ah ouais, là j'aurais tendance à mettre celui-là ici en fait. Ouais, vas-y. Et du coup, ici on foutrait celui-là. Incroyable. その件をそこまで調べ上げるとはな。だが、
あんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員。それじゃあ最後、三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと俺の看護師長、彼らは一体どんな秘密を。僕たちはそれの調査中だったんだ。真相を知るはずない。それが分かってておちょくってるんだろ。最初からた報いを受けろ。お、OMG。 危ない危ない。看護師長なんてことないよ、公爵。看護師長、この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグウィン、君勘違いしてるみたいね。うちは最初ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣したとき。その理屈ならリネたちだって囚人でここの一員だろ。でもうちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り彼らを守ってたのよ。じゃな、それは公爵も認めてくれるはずね。うん、看護師長、あと数分。どうせもうそろそろ時間でしょ。公爵ってばたまに困ったことをするんだか。何言ってんだ。二人を解放してくれ。感動的だな。もう一分。もうやめ。まあそうせかすな。もうじきお客さん、まずはお茶を飲ませてくれ。何をする。足音が。ちょっとどいてくれ。OMG, enfin on la voit. Ah, avec Rémine. Rémine, Rémine. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Clorinde est ici ? Je sais pas du tout si c'est notre pote, elle. Je crois que j'ai, on lui a jamais parlé. J'ai pas de souvenir. なんでこんな状態に。顔が赤く脈が速くなってる。なんだって。ちょっと下がってて、フレミナさんをもっとよく見るから。詳しいことはクロリンデさんとの話を終えて。Essayez de comprendre la situation. D'accord. Allons-y.容体は。フレミネさんの症状は短時間のうちに大会の水を過度に摂取したせいで引き。もちろんしばらく経過観察を続けた方がいい。とにかくごめん、医務室にはもう行きたくないよね。けど医療設備メロピデ要塞から脱出した後どうして大会の。フレミネさんをちょっと見ててもらえる。薬品と呼吸器を取ってくるから。それリネットはどこに。彼女は麻酔を打たれて空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど。何その顔は。いやいや、時間通りだなと感心してただけさ。んで、水質が変わった。予想とほぼ同じで、私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいると。彼を見つけた場所はパイプの突き当たりにある廃棄エリア。思っていたより近いな。フレミネ君は早い段階で異常に気づく。扉を閉じたのは正解だった。もう一人ここから出ていたら。こっちは善意でやったって言ったのに誰も信じて。ヌビレット様なら信じてくれたかもしれない。あの人はどう見ても。紅茶でもどうだ。私は不要だ。自分が飲みたいならそう言え。はいはい、俺はお茶を飲むが。付き合ってもいい。ところでタオルはある。リネ大丈夫か。大丈夫だと思う。どこか具合が悪いところは。手足に力が入らない。
多分麻酔の影響がの。みんな、ただいま。お兄ちゃん、旅人。フレミネ。無事よ。ちょっとお菓子の手伝って。呼吸が落ち着いてきた。手を貸して。フレミネさんを医務室まで運んでくる。僕がやるよ、リネット。旅人、君も心配そうだけど、公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを。Retournez à l'infirmerie. Bon, là on est dans le moment où ben, on sait pas ce qui se passe, donc c'est rigolo. Et voilà. Donc ben, on est obligé d'avancer. Hein. Oh putain, comment on monte ? Y'a pas un TP au pire là ? Ouais. Hop. Et maintenant c'est run for your life. Ah là là, ce double E, qu'est-ce qu'il est bien. Hop là. Ah vraiment, en fait, pour de l'exploit, il me faut vraiment Yelan et Kazuha en vrai. Mais bon. リネ、リネット。うん、みんなここにいるよ。ここはどこ？メロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう気分はどうだ？辛かったら無理。旅人にパイモン、久しぶり。そうだ、海水に問題が。慌てないで、その話は隊長。ううん、聞いて。とても危険な状況なんだ。海水に大海の水が混ぜ、パイプ。そうだ、パイプ、思い出した。C'est long. よし、入れた。うん。孔子様はどこに？あ、ah. C'est bien, moi j'aime bien ces phases. Chercher des indices. Ils nous l'ont mis level 90 quand même.Je connais pas cette arme. Peut-être une arme du pass. Une arme du pass, pardon. Ou une arme craftable. Ah, c'est une espèce de mini donjon. Hein. Ouais. Non, je trouve qu'il tape assez vite pour un clément. Je sais pas du tout comment il joue, Fréminé. C'est un cryo. J'avais oublié que c'était un cryo.Oh là là. Ah, c'est quoi ça? Ah mais putain, attends, c'est l'arme qui a le pingouin ou c'est vraiment lui qui l'a? Alors augmente le taux de crit de 8% à chaque attaque qui cause des dégâts. Putain, c'est bien. C'est très simple comme effet, mais c'est bien en vrai. En vrai, il est triste ce donjon, hein. y a rien quoi. En plus, il te pointe les trucs vraiment en mode vas-y, va là. Ah. Oh, y a quand même quelque chose à faire.、Hein. Ce n'est point si simple. Et hop là!
Oh là là, et là ils sont contents les devs, ils se disent putain on lui a fait perdre 30 secondes. Mais c'est génial. Oh là là. Bon j'ose imaginer qu'on aura du combat quand même pour qu'on soit dans une phase comme celle-ci. Même on a des portes de la résurrection donc bon. Ouhou. Paf. Ah, on peut pas planer. Je crois. Ah si. Plonger dans l'eau. Ah je pense... Ah ouais, je sais pas s'il est plus rapide dans l'eau que les autres persos. Je sais pas, j'ai l'impression ouais, qu'il est un peu plus rapide. Je pense que c'est qu'une impression. C'est quoi ces talents là? En utilisant gna gna gna, ça m'intéresse pas. Diminue la consommation d'endurance aquatique. Oh. Ouais, c'est juste ça en fait. C'est juste il peut nager plus longtemps. Oh non, je perds de la vie petit à petit. Mais Fréminet, il te suffit de manger à manger, comme ça tu seras invincible. Il suffit de sortir un bon steak de la popoche et tout ira bien. Et donc quand on voyait Fréminet se noyer dans le premier trailer de Fontaine, c'était juste pour ça si ça se trouve. Oh là là, tout ça pour ça. T'en fous de Fréminet. C'est qui ? もう少し休んでから行った方がいい。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。お客さんってリオセスリのお客さんってこと？この件についてはそうだな。そろそろあいつにははっきり説明してもらう。いや、今は安全だって頭では分かってるけど。うん、分かった。なら医務室は君たちに任せていいかしら。ありがとう。Le déluge. Rendez-vous au bureau du duc. D'accord. C'est rigolo, ils mettent un petit logo en mode faut emprunter une porte. Avant c'était bien évidemment pas le cas. Ou à chaque fois, bah tu savais pas, genre il te disait que t'étais à 1 mètre du truc. Sauf qu'en réalité, bah non, parce qu'il fallait emprunter une porte et après il fallait encore marcher. Oh, parler à Vrio Tesla. Il appelle Risley en anglais. En japonais, pardon. Je sais pas pourquoi. どうやらフレミネ君の容態はもちろんじゃなきゃ医務室でそっちの二人が来るのは想定してたんだがクロリンデさんの様子を見に来たのああ特にできれば一度診察させてすぐ終わる分かった感謝するそろそろ弁解してくれる
弁解だが、どこから話したものか。うん。おう、じゃあ聞かせてもらうぞ。いや、彼らがファデュイに所属し、召使いの命令で、目的も知らなかったのにわざわざ彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに、最初は講師がなぜ死す、リネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、俺らはスネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪した。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっち、ジョフノリってわけか。別に構わないだろう。まあ、その後の状況が変わったのは少し、禁域こそがリネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。お前が昔犯罪者だったって噂。何を言ってる。俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる。そういえばクロリンでは誰が呼んだんだ。もちろん俺だ。金を出して彼女にメロピデ、クロリンデさんは血統代理人、つまり第三の勢力だ。例えば。あ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。それはあんたには関係ない。俺は金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。けどオイラたちの調査はもう医務室まで進んでたんだ。それにお前もさっきあれ、おっと悪い。そんなに、そりゃそうだろ。たとえ目を背く、ついてこい。Suivez Risley, d'accord. OMG, je ne l'avais pas dit la première fois. En mode, tiens, ça, ça sera dans l'histoire. Ou tout simplement, en activant la vue élémentaire, tu voyais qu'ici ça allait bouger. En vrai, avant ça, je vais juste faire un petit tour au toilette. Alors, tu vais le Vrai Otisli, d'accord. Ça, ça veut dire on va être dans une espèce de donjon, non ? これと似た扉が合計で3つある。通常であれば、だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの、まあ確かに隠そうとは思うそうすべきかどうかはここを見、
Là, la question que je me pose, c'est pourquoi on passe autant de temps ici? Parce qu'on en a... quand même, faut se dire, on aura là actuellement, on aura passé ouais, bah, la moitié de notre temps sur les actes de Fontaine dans la prison, quoi. Ouais, c'est qu'il y a un grand secret ici. On verra bien. Peut-être on va avoir la source de l'énergie de la... Comment ? De la grande juriste, on va dire. Avec nos villettes là, je sais plus comment ça s'appelle. Ou ça a un truc à rien d'avoir et qui est juste un rapport avec la prison. その時はちょうど暇だったんでな。少しばああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり温度よりも水圧の方が可能性は、そこで俺は別の可能性に思い至った。 原始大海の水と、この、メーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そして、あの潜水士が帰ってきた時の症状を見て、俺は確信した。濃度？でも、ここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に。ああ。でも、オイラたち、いや、ヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。 どうやら気づいたようだ。まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底からも、このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。ああ、大海の水は原始大海に由来するものだと。 妙じゃないか。なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てる。その顔を見るに難しく考えてるようだな。だが実際のところ、事実はあんたが俺がこのことに気づくまで金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。メロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から先代水人のエゲリアがまだその座にいた頃、 罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。だが一部の人間は悔い改め、天に祈りながら自分にできることはないかと水人に聞いた。水人は彼ら、彼らは水人の力を借り海の底に集った。そして協力して築き上げたのが追放者が増えていくにつれ、 より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして最初のメンバーたちは死ぬ前に先代水人は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって追放者たちの要塞はより大きなものとなった。だからここの人間はメロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らはだが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだ。刑期を終えた後、 ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で官職に就くと数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。でもお前は確信してるんだな。ああ、もしいつかこのゲートが決壊すれば、 どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そして場所を変えよう。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。待ってください、ジュリエ。他の人。あれ、ジュリ、慌てるな。 この二人は。何ですって？誰にも。そうですよ。それに結果はもう目に見えてるだろう。この分かりました。
あなたがそこまでおっしゃるの。そうですね。二人から悪意は。さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。そりゃよかった。彼の専攻はアルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその。まさか、メロピ。ほう。そりゃ魅力。僕も、ちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないよ。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。そんなことってあるか？見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら。公爵。そうです。僕が土地狂わないか。ああ、わかった。さ、二人ともついてこい。Oh, et bonsoir Silvercrow, bah ça va très bien, merci. Mais bon, alors la question c'est comment toi tu vas, bien évidemment. Actuellement dans l'acte 4. Oh la transition. かなり。それにここって見たことない生産。あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？となると、ネムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。言い伝えによると、ネムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と対戦フォルッカレはその国をレムリアと名付け、フォルテナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。その物語にも船。ああ、水と関連する場所なら船は。じゃあお前も。俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から。つまりその伝説のフォルト。天才を目前にして、フォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実、管理者である俺がそんな考え。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。どうやらないようだ。さて、見送りはここ。ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ。お、その辺はちゃんとか。ああ、これからの手。 OK OK OK。Retournez à l'infirmerie. Nyon. Mais où est-ce que tout ça va nous mener? Okaeri, ocha iru? Omae mo ano koushak to issho kai. Ocha toi eba da kedo, tsui sak masui ga kiite ta aida, ussura to da kedo, chikaku de hito ga hanashiteru no ga kikoeta. Ryo Sesuri to Shiguin. Otoko no hito to onna no hito ga hitori zutsu datta kara.多分ここの人ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人パイモン、真相は。おっ、公爵。ふむふむ。じゃあ答え合わせをして。ああ、少し休んだおかげで。近くに誰もいないし、シグウィンさんも他のことで。よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。まず一つ、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか、その原因は。おお、すごいな。さすがリネ。2つ、リオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをして、この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリ、しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりメロピデ要塞側が公使様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申した。つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。
おそらく。お前って本当ありがとう。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕が把握できてるの。でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには情報が足りなすぎて、あまりに予測の立てようがない。まさか洪水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあリオセスリがお父様との面会を望んだの、僕がこう言ったのは覚えてるかな。お父様はハウス・オブ・ハースを本拠地として扱ってるから。もそれか、リオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したかっただけ。そうだね、筋は通ってる。君とパイモンには十分すぎるほど助けて、今後助けが必要な時はいつでもハウス・オブ・ハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくても、これだけ一緒に過ごしてきたんだ。僕も大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに急にそんなむずがゆいこと言うなよ。おやお腹が減ったぞ。きっと疲れてるよね。OMG. Rendez-vous à la cantine sans transition. Et là, on va voir Sigewine qui est en train de faire à manger. Ou qui est évanoui, je ne sais pas. Pourquoi c'est important pour le scénario? Oh, je suis tombé de très haut. Est-ce que la TP ne m'a pas tué, Yelan? On tournait au Dort. Ah si, ça m'a bien tué Yelan quand même. Je l'ai pas entendu, mais malheureusement. Tac. Ouais, ça c'est un truc qui est chiant quand il y a des transitions comme ça en fondu en noir. Bah, ça te bute tes persos de temps en temps. En fait, dans ces moments-là, il devrait. Oh le rip. Dans ces moments-là, il devrait juste annuler tes dégâts, quoi. Parce que c'est relou en vrai. Parce que la zone d'activation, elle était énorme. Je pensais que j'aurais le temps de faire mon,
mon attaque chargée sur le sol. ZZZ. On attaque plongée directe. C'est vrai. Examinez la situation à l'extérieur.二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。あ、そんなこと言った覚えは。余計なこと。はいはい、とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、できるだけ上に行けって言われてる。まずいんじゃないか。まさかあれが。おい、どこに行くつもりだ。公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行っててくれ。オイラたちのことは。おい、気をつけろよ。Oh là là, ils sont gentils. Évacuez le plus vite possible. Ah ouais? Eh ben, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? C'est bientôt la cinématique. Rendez-vous dans la zone interdite. D'accord. Et on y a accès comme ça, c'est ouvert. Oh. Ah. Oh! Cinématique. いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。Il va tout geler。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。Je vois pas trop ce que Chlorine peut faire dans cette situation, mais pourquoi pas?Et du coup, nous, c'est officiel, on en sort instantanément. Eh bien, efficace. Il m'a ce qu'un kangiki joni me katte aussi. Moziki, Fudina, ça coûte des mèches de taille.
どうかフリーナを守ってくれ。ああ、必ず。心から感謝する。Alors, tiens, j'ai juste checké, on en est à peu près à où là ? Hop. Fontaine, acte 4. Est-ce que ça dure à peu près 3 heures, j'ai l'impression ? Je sais pas, attends, je vais regarder un walkthrough. Ah mais est-ce que je peux avoir un truc où les gens ne parlent pas? Ouais, ça, ça a l'air d'être ça. 2h40. Et là où j'en suis actuellement... Donc là, ils viennent de sortir 1h50. Ah ouais, donc il me reste bien 3 quarts d'heure encore. Hein. Quand même. Rendez-vous à l'opéra. On peut pas se TP direct? Ouais, non. Ça ne change rien. お聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。あ、se déplacer comme ça。パッパラパラパッ。OMG。On va voir la black là。La E là obscure。おお、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に。お会いできて光栄だ、旅人。ご高名を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣に隠れ。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず。旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう。講師が失踪したと。そういうことなら僕からも一言付け加えよう。おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかあいつ。そうだろうな、君である。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば。はい。どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたち、あいつがメロピデ要塞を放つ。その手がかりはどこへ向かった？メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り。ほう、それはいいことだ。つい先日、彼の妹のトーニャから。ここ、そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。背景。手紙というのはある程度の型があるものだ。
内容さえ正しければどんな書式でどんな…あれ、カップの中…これもきっとある種の予兆だろう。予言が次の段階に入ったんじゃないか。Déjà une animation ? Gokuro. Ato wa watashi ni makaseru to ii. Hontou ni o hitori de. Mondai nai. Hee. Kono joukyou ni taisho dekiru tte koto wa yahari. Moshikuwa.責任感が強いだけってこともあり得るか。一理ある。J'ai pas compris.予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。フッ、この度の審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。J'ai pas compris. Je pense à cause de l'annonce qu'il y a eu là. Ça doit être un abonnement sur YouTube. J'ai pas lu une seule phrase et du coup j'ai pas compris. Après, c'est quoi? C'est qu'il peut maîtriser l'eau en soi? Je sais pas, j'étais en mode. Est-ce qu'il est lui-même, tu vois, genre. La mère truc? Est-ce qu'il est genre l'ancien Archon Hydro? J'en sais rien.あなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で来るか、大勢を引き連れて来るかな。立場上、そうあるべきだと思った。けど、あんたもそろそろ機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか。それで、公爵の執務室に茶葉などいくらでもあります。なんだ、俺の法意識が低い。公爵はメロピデ要塞を奉納。ここには法典に興味を持つ者など。あまりいないと思っていたが。で、水の上にはまだトラブルが残ってるのか。急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは。ああ、向こうも順調だといいのだが。Donc du coup, Neuvillette, c'est bien... Enfin, je sais pas s'ils l'ont dit, mais peut-être c'est ça. Et du coup, c'est bien lui, l'ancien Archon Hydro. Parce que c'est sorti de nulle part tout à l'heure, le Egeria. Donc le fait que... Bref. Du coup, en vrai, j'avais eu un... Entre guillemets, un bon guest la première fois avec Neuvillette. Parce que je sais pas, j'avais dit ouais, il doit être lié à l'Archon Hydro. En mode, je sais pas, c'est une création de l'Archon Hydro. Non, c'est carrément l'ancien. あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や、それなのに君は魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。違う、僕は予言を軽んじたことも悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌミス、水の神よ、
君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど。ならば問おう、フリーナ殿が言うと。僕は予言と同じく、全てはその時が訪れれば開示される。なるほど、さすが神だ。その努力とやらが。では僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えても。その表情から察するに、措置も秘密にすべき内容だ。では少しヒントをあげよう。君たちの油脂最低化、今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは。油脂最低カーディナル君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、リネが過激場にいた時、ほんの少し油脂機に近づいただけで大量の立証混合エネルギーが付着した。それでこの件も君とは無関係となると。水神様ともあろうお方が。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿が。あ、そうだとも。それは無論だが、最高審、さて話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの。旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。パイモンも。この僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうか。よかろう。では旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。オイラも一緒に行くぞ。Suivez jusqu'à la sortie. Oh non, mais comment je peux me défendre avec ce personnage de merde ? Où est-ce que je dois aller ? Ouais, probablement que là. Ah, il est là le bureau. Énorme. Alors, je vois pas l'intérêt par contre de nous faire marcher à ce point. Avec juste notre perso. Ah, j'ai le perso. Je sais même pas ce que fait le voyageur hydro.L'électro, dendro, géo, vento, j'allais dire. Je sais, mais le hydro. Ça me gratte de la vie. Putain, c'est trop marrant. Pio, 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 pio. Skiate crete kansha suru. Ma, koushi wa tada no koushi.そうだと思ったぞ。前回君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救って、公式な場では公式な話題を。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張らないでくれ。君から情報を。おう、あいつらすごく頑張ってたぞ。邪魔をしてくるリオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。だがリネは強がった。ただの世間話だと思って答えてくれ。君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。以上がこたびの審判の顛末です。皇子様は有罪。休暇を過ごしていたはずなんだがな。これほどの面倒事を。そまあいい。全くある人物に会いに手配いたしましょうか。いや、必要ない。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核。おや、おちびちゃん、
こっちにおいで。わ、逃げた。私の目標はあくまで神の心の場所を特定することだが、無防備であればあるほどそれは餌である可能性が高い。だが餌に手を出し、事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。それに加え彼女はどうにも神には見えない。君は誰？な、この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私がしばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。孔子様が失踪したとのことです。例のリオセスリという者がやったのだろう。おそらく執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。水神フリーナ殿と最高審判官、それからリネ、はい、孔子タルタリアの失踪は計画外のものだったが突破口となる。こちらの正当性を、流れは完全にハウスオブハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのは。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。どれだけ大声で叫んでもそれが公になることはない。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテーヌの上層は想像よりも複雑らしい。以前はあのヌビレット殿こそが水神だと予想、私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがこれは単に私個人の感覚に過ぎないが、情報を扱うものだというのに故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、結局のところ生きていることでチャンスは訪れる。すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。ふん、こんなに早く戻ってくるとはな。いろいろと。ヌビレット。ああ、現段階ではな。だが長期的に見てフリーナを守ってくれたこと、簡単に言えば私が力を使って大海の水を押し、やはり召使がフリーナに圧力をかけたか。聞こう。お前が水神ってことはないよな。言えないのか。そのお前たちが私とフリーナを刺すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では、ああ、メロピデ要塞は歴史が長い。あそこには、そして今、災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。ん？なんで急…おそらく、君の思った通りだろう。水？ん？うえー！そう驚かないでくれ。フリーナ。はあ。ああ、すまない。う
私当てずっぽうで言ったんだけど。君たちの推測は正しい。だが。おお任せろ。でも実はまだ一つ聞きたいことがあるんだ。ああ言ってみるといい。お前は水元素の竜王としてメロピデ要塞の大火フォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら、お前の力でその現在私を含む全ての元素竜は完全な状態ではない。話によると最古の戦士がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。竜には7つの元素があって、神にも7つの元素がある。あの時代を経験した先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。私はその後継者神の消失によって元素を操る天皇が返還される。現状からして他の方法で予言に対抗することをお勧めしよう。お前でも解決できないってことか。ところで私はこれから少し急ぎの用事を。うん、オイラたちもちょうど行きたい場所があるんだ。旅人めっちゃ、また今度な。ああねべ元気出してよ。Sympatoche. Et du coup, dans sa description, ils le disent. Ah, peut-être avec les histoires. Ouais, je sais pas. Peut-être avec son XP, on pourrait savoir. Faut que j'aille où là ? Putain, ça me casse les couilles, ça, dans ce jeu. Je suis vraiment bloqué par une random quête secondaire. C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de trop chiant dans les quêtes. C'est pour ça faut arrêter de les accepter, les quêtes secondaires. Mais s'il te plaît, mais en plus, c'est juste des pauvres brutaux. Putain, c'est juste pour ça que je suis bloqué, vraiment. C'est quoi? C'est parce que ces personnages-là, ils sont liés à ma quête principale, là? C'est quoi, ça? Un truc de fou, quand même. D'être bloqué pour ça. Le pire, c'est les quêtes d'histoire, aussi. Hein. Les quêtes d'histoire qui sont toujours bloquées ou bloquent les autres quêtes. C'est pour ça que j'ai arrêté de les débloquer, parce que sinon tu peux pas, quoi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner à la forteresse. Est-ce que je dois aller là? Ouais, je peux aller là déjà dans un premier temps. Est-ce que j'ai pas fait gaffe qu'est-ce que je devais faire? Attends, là on est où? Ah oui, non, je suis pas du tout au bon endroit. C'est pas du tout là qu'il fallait que j'aille. Retourner à la prison pour voir comment va tout le monde. D'accord. J'imagine là-bas, c'est Sigewin. On va bien voir. Et pour le coup, c'est cool pour Neuvillette, ça. A chaque fois, ouais, on aura affaire aux dragons élémentaires de toute façon. Mais là, ouais, depuis Storm Terror, c'est la première fois qu'on est dans une quête principale liée à un dragon élémentaire. その大丈夫って言われた。
Il y a juste le dragon électro maintenant que je me dis. Le dragon électro, bah peut-être que c'était le serpent qui a affronté Raiden. Mais ouais, on n'a jamais eu de dragon électro par contre. Alors qu'évidemment, Asda, Storm, Terror. Pas oublier le dragon d'Endro. Mais c'est pas lié à la quête principale, non? C'est une quête d'histoire, non? Je sais plus. Asda, c'est la quête d'histoire qui le débloque. Mais je crois, ouais, le dragon d'Endro, pour moi, c'est... Ah, mais non! Bah non! Attends. Je sais plus. Je crois que c'est les deux, il y a la quête d'histoire et pas la quête d'histoire. Je sais plus. Retournez voir tout le monde. J'imagine on va aller voir nos potes là. Mais ouais, en soi. Storm Terror, Asda A, on va dire le serpent électro, Appep. Ah bah elle est là, Sigibin. Et donc là, bah, Neuvillette. Ouais, quête de Naïda du coup. Mais en quête vraiment principale, depuis Storm Terror, ouais, on a jamais eu affaire à un dragon quoi. Il n'y a pas encore d'infos sur le dragon électro. Bon, ça arrivera à un moment quand même. Les dragons élémentaires, ils ont l'air d'être importants, genre un petit peu beaucoup, tu vois. Donc, soit c'était le serpent, soit vraiment c'est qu'on aura plus tard. Mais je pense que c'est le serpent parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en ait jamais entendu parler sinon. Et vu que le truc était plutôt immense, tu vois, ça serait pas déconnant. Vu sa carcasse. そう、あの騒ぎに乗じて逃げたかと思ったのに。数少ない脱獄者の一人かと思ってた。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな。僕だけじゃないだろう。ここ数日、厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一つそういう時はいつも大丈夫だ。きっとどこかで何か飲みながら、ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ。気にかけてやるの。この二人、思ったよりずっと施設で面倒。二人とも、今度たらふく食いに来てくれよ。Et le dernier, du coup. J'espère qu'on a plus d'infos sur Nibelung perso. Nibelung, c'est qui ? C'est quoi ? C'est le vrai nom de... Enfin, c'est le nom de personnage de Souffle Nuage ? Non, Nibelung. Et 7 souverains. Je connais pas du tout, ça me dit rien comme nom. Le roi dragon. De Teyvat. Ok, bon. Electro Dragon Genshin. Ouais, y'a pas, hein. Ouais, là par exemple, la première vidéo. Inazuma is the Electro Dragon. Oh, peut-être pas quand même. Ouais, non, y'a rien à ce sujet. Bon, allez.
je sais pas, je vais partir du principe que le dragon électro c'était le serpent. Et puis voilà. Est-ce qu'un dragon a vraiment besoin d'avoir des ailes finalement? Regarde Rayquaza, il vole et il a pas d'ailes. Hein. Par contre, je comprends pas du tout quel est le rapport avec ça et l'eau de la mer primordiale. Ça, je n'ai pas du tout compris par contre. まだ医務室の秘密つええ、でもこの日医務室が混んでる時はとても面倒だが、まああなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけど、君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなありえない。D'accord. Parlez à notre ami. Ouais, en plus c'est parfait parce que j'ai terminé ici et il est juste en haut. Oh là là, quelle efficacité.シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。ネロピデ要塞の状況を確認。大した問題はない。ヌビレットさんがそんなにすごいんなら、ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのた慌ただしく降りてきたあげ。Non, l'acte 5, je le ferai une autre fois. 口も飲まずに帰っていった。本当にそ。それとクロリンデさんも帰った。どう。プレゼントって。ヌビレットさんのはそうだ。クロリ、え、ずいぶん違う。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に健康を維持できてるのが理由。そうだ。あんたらへのプレゼントも。C'est pas le début du 5? Non. Il y a pas, j'ai pas eu de transition en mode fin de l'acte 4. の仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。Mais là, je pense ouais, on est vraiment à la fin. 本当にいいのか？あ、あ。ケーキが終わる日になったら俺の。Mais là, ouais, je pense que c'est vraiment la fin là. Par rapport à ce qu'ils nous disent, et on va officiellement quitter la prison. On a reparlé une dernière fois à tout le monde. Et après, finito quoi. Bah, c'est juste Linné et compagnie vont rester bloqués ici quoi.On verra bien comment ça se passera l'acte 5. Je sais pas quand je le ferai. Si possible, ouais, dans les jours qui suivent, mais je sais pas quand.Et là, c'est la fin de l'acte 4, peut-être, je ne sais pas. Oh, bonsoir Arthur. Oh, OMG! C'est le truc de Tarta, ça. Oh là. Je reconnais ça. Ça, c'est le weekly boss que malheureusement j'ai découvert à cause des vidéos de nos captes. Sinon, j'étais pas au courant que ce world boss existait. Mais c'est officiel, nous avons terminé cela. Eh ben, Arthur, ça va nickel, merci. Mais vraie question, comment ça va toi? Bah, tu l'as déjà dit. Tous les futurs persos qui n'auront pas le loot du weekly boss.Ouais, mais écoute, le weekly boss, j'aurai le temps de faire. Bon, et bien ici, ça veut dire que nous pouvons récupérer cela.
Et du coup, il nous manquera l'acte 5 qui dure, ouais, bien 4 heures, hein, il me semble. Des retours. Pas du tout des retours, mais par rapport aux vidéos YouTube que j'ai pu voir. Fontaine, acte 5. Ouais, ça m'aura pris pile 2 heures à faire, du coup, là. Acte 5, 4h30. Ah, putain, là, 5 heures presque. Oh, oh là là. Le temps que tu le fasses, on sera à Natlan. Bah, normalement, non, parce que soit je le fais dans les jours qui suivent, là, pour mes vacances, soit je le ferai peut-être au week-end prochain. Ah bah non, le week-end prochain, je ferai ça. Le prochain week-end, je ferai ça, je pense, donc, ouais, non. Ouais, donc, soit je le fais là, soit je le ferai dans 2 semaines, l'acte 5. Mais c'est bon, hein, on a le temps. Hein. Moi, je vois un peu les quêtes principales comme ça, comme un petit animé où je suis l'histoire, tu vois. Moi, je dis rien, c'est juste, je réagis de temps en temps à certains trucs. Mais c'est vrai que pour l'instant, même si ça pouvait sembler random, le fait qu'on soit dans la prison, bah au final, c'était intéressant. Et j'aime beaucoup ce qui se passe à Fontaine. Mais juste, le fait qu'on ait passé 2 actes presque entiers dans la prison, c'était un peu long selon moi quand même. Surtout qu'on faisait beaucoup de trucs un peu random, mais au moins ça voulait dire qu'on passait du temps là-bas. Et au final, ouais, c'était vraiment le cas. L'acte 5 est génial, bah nous verrons ça la prochaine fois. Et bah il est que 17h, je pensais vraiment que ça, j'aurais besoin de plus de temps. C'est quoi ça? Vous êtes désormais éligible pour recevoir des primogèmes. Recueillez votre butin, récupérez vos drops dans la page d'inventaire. Sérieusement? Donnez-moi des primogems? Comment ça? Attends. J'ai des primogems, tu veux dire? Je sais pas du tout comment je peux voir ça. Drop et récompense. En profiter. En profiter, en profiter, en profiter, en profiter. Peut-être parce que j'ai streamé du Genshin. Vous avez terminé l'émission sur Twitch. Aucune idée. Eh bah parfait. On est comment ici? Là j'en ai 7, là j'en ai 3. Ouais. Je suis à combien là? Bah, j'ai eu Furina la dernière fois. Bon, Ayaka, je l'aurais bien tenté, mais en vrai, le problème, là, c'est que tous les persos qui arrivent, ils ont l'air intéressants. Souffle nuage, elle peut être cool, selon comment elle est. Arlecchino, bien évidemment, elle m'intéresse. Et je pense que, ouais, je la prendrai. Elle, peu importe qu'elle soit bien ou pas, je pense que je la prendrai. Et Chlorinde aussi, c'était vraiment le chara-design que j'étais en mode, waouh, la première fois que je l'ai vue, donc, pourquoi pas. Navia, elle m'intéresse pas. De toute façon, c'est un géo. J'ai absolument pas de quoi build des géos. Ni d'armes. Mais c'est vrai qu'elle avait l'air assez intéressante. Mais juste le problème, c'est que c'est une géo, quoi. Bon, allez. Hop. Ouais. Je suis sûr d'avoir Raiden. Eh ben, 91 pierres. Faut juste zongler avec Navia. Bah si c'est le cas, bah j'ai zongli, donc tout va bien. Bon, et bah écoutez, moi je pense que je vais continuer de streamer, je sais pas sur quoi. Mais concernant Genshin, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et ouais, c'était plutôt cool. Hop, j'allume ma lumière afin d'avoir plus de lumière. J'ai même pas fait le test, c'est vrai. C'est vrai que je me les étais gardés. Donc on va faire les deux. Mais je pense que malheureusement Ayaka, c'est exactement comme Yoimiya, elle tombe toujours au mauvais moment. Donc voilà, je pense que je poulerai un jour Ayaka, mais juste que là c'était pas le bon moment. Surtout qu'avec elle, avec Ayaka, moi je serais chaud de jouer le coupeur de jeûne, mais j'en ai plus de coupeur de jeûne. Mais c'est vrai qu'elle fait des dégâts de fou quand même. Hein.
Je la trouve assez lente cette attaque. Mais elle est cool quand même. C'est vraiment son ulti qui est dévastateur en vrai. Bon, le test de Navia. J'attends de voir ta réaction sur Navia. Bon, si ça se trouve, ça va être un coup de cœur et tout, mais le problème de Navia, c'est que c'est une Claymore, c'est une Géo. Forcément, pour moi, ça va être un peu compliqué. Mais son splash art, je le trouve très cool. J'ai regardé du coup le... comment ? Le trailer, on va dire, de personnage, et franchement très cool. Et même Navia, j'étais en mode un petit peu OZEF au début. Mais au final, avec l'histoire, avec sa gueule et tout, je l'aime bien. Même son chara design, je le trouvais assez basique, mais au final, je trouve que ça lui va trop bien. Et du coup, Novillette, je sais pas hein, si on regardait mes VOD de l'époque, où j'avais dit, ouais, Novillette doit y avoir un truc avec lui, parce que ses yeux, ils sont clairement pas normaux. Mais très souvent, avec les yeux, tu peux savoir si un personnage est particulier ou pas. Et elle, bon, voilà, elle a des paillettes dans sa vie, quoi. Et puis voilà. Hein. Bon, allez. Ning Wang. Bon, attends, on va déjà activer l'ulti de Bennett. Attends, par contre, les dégâts de son E, quoi? Quoi? C'est quoi les dégâts de son E? 2800 d'attaque, c'est pas énorme, hein, je crois. Enfin, c'est beaucoup quand même. 60... Parce que je crois... Attends, mon 121 000, c'était même pas un crit. 77, 120, 135. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais, elle doit avoir un éveil de dégâts géo. Ici, ça lui augmente le taux de crit. Augmente l'attaque de 20% lorsqu'un personnage de l'équipe obtient un fragment généré par une réaction de cristallisation. Ah. Ah ouais, donc t'es obligé de la jouer avec un géo, quoi, c'est mieux. Le personnage équipé de l'arme gagne un saut pendant 15 secondes, ce qui augmente les dégâts. Ok, c'est pour ça. Ouais, en fait, ça se joue sur son E, quoi. Et là, elle a quoi? Murmure nocturne. Je connais pas ce set. Augmente l'attaque. Après l'utilisation de l'unignan. Ouais, mais attends, mais ce set et son arme, c'est vraiment juste pour elle, quoi. Eh ben putain. C'est des pourcents dans les aptis? Mais comment elle a autant de dégâts géo alors? 46. Bah ben non, c'est forcément ça qui lui donne des. Ou peut-être l'arme. Non, l'arme ne le dit pas clairement que ça lui augmente les dégâts géo. Là, 20%. Alors ça doit être ici. Ouais, je crois que c'est ça. Pour chaque personnage pyro, électro, cryo, hydro, présent équipe d'attaque, augmente. Ah ouais, ça c'est hyper fort. Waouh, c'est méga fort ça. Ah oui, donc elle a même pas 2000 d'attaque en réalité. Enfin 2008. Eh ben putain. Ouais, 34 000 là. La cristallisation. 88. Eh ben putain. Elle est cool. Surtout qu'elle a double E. J'ai pas regardé ses constelles. Mais ok, ouais non si... Malheureusement moi je déteste les jouets géo. Enfin surtout que j'ai jamais joué géo, mais vraiment c'est pas du tout un élément qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'elle peut relancer les... Elle peut lancer une mode de géo. Parce que c'est vrai qu'elle est... Elle a l'air plutôt cool comme ça. Mais bon pareil les Claymore, je suis pas trop fan des Claymore dans le jeu. Il y a que eux là que j'aime bien. Et je t'avoue que Navia, non, elle m'intéresse pas trop comme ça, mais c'est vrai que si... En fait, s'il n'y avait pas les persos qui arrivent, j'aurais peut-être tenté Navia. Mais j'aurais même pris Ayaka en priorité. Mais en vrai, pourquoi pas un jour? Elle balance du 220 000 facile. Ouais, mais là aussi, elle peut faire ça. Bon, c'est avec son ulti chargé à fond et avec un coup critique. Mais bon, hein, elle peut faire pareil, là. Bon. Tu es qui, toi? Si ça se trouve, c'est l'un de vous. Bon, allez. Je me stoppe là pour Genshin. Au revoir la VOD. Et à la prochaine.